Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. L'OMS renforce la surveillance dans le cadre de la lutte contre la dracunculose. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La dracunculose. Une maladie parasitaire invalidante causée par les puces contenues dans une eau non potable. Dans la plupart des cas, le parasite se transmet à l'homme lorsque ce dernier boit de l'eau stagnante contaminée par des copépodes. Pour éradiquer définitivement cette maladie dans le monde, et précisément sur le continent africain, l'Organisation mondiale de la santé veut renforcer la surveillance et la sensibilisation des populations dans les pays africains. C'est dans ce sens que se sont tenus le week-end dernier à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, sous le haut patronage du ministère de la Santé, la quatrième réunion biennale de revue des programmes nationaux d'éradication de la dracunculose dans les pays en post-certification. La multiplication de ces réunions qui participent au renforcement des stratégies de lutte contre la dracunculose ont permis à l'OMS et aux pays touchés par la maladie d'éradiquer considérablement ce parasite. Aujourd'hui, les cas de personnes contaminées se raréfient. Il est donc question pour l'OMS et les pays post-certifiés, au sortir de cette quatrième réunion biennale de la revue des programmes nationaux d'éradication de la dracunculose, de renforcer la surveillance pour détecter tous les cas humains et tous les animaux infectés par le ver de Guinée. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, CWebInfo et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.